Nouveau petit glitch d'XP sur la saison 3 de Fortnite. Alors avant d'interagir avec les boutons, moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes pour gagner plus d'XP. Quand vous avez attendu 10 minutes, vous allez en plein milieu de la map et vous allez rejoindre le pad de vitesse qui est juste en face de moi. Ensuite vous allez construire une rampe jusque tout en haut de la map pour qu'à un certain moment vous ne puissiez plus construire. Mais faites très attention de bien marcher en plein milieu de la construction. Donc là regardez, je suis en haut de la construction, je ne peux plus construire, mais je marche à gauche, donc là ça ne fonctionne pas, ça ne me téléporte pas. Donc ce que vous devez faire c'est bien marcher en plein milieu et là, boum, ça vous téléporte. Donc le premier glitch il se passe en face du bateau, donc vous allez jusqu'au bateau. Quand vous êtes sur le bateau, vous montez juste ici tout devant, vous sautez près de la colline. Et là, vous allez voir qu'il y aura un bonhomme de neige. Et derrière ce bonhomme de neige et derrière les petites herbes là, vous aurez un bouton d'XP quelque part, voilà, juste ici. Donc vous interagissez avec et là, ça va vous rapporter de l'XP. Donc maintenant, vous retournez vers le bateau. Ensuite, quand vous êtes sur le bateau, vous allez devoir descendre dedans. Donc vous descendez de 2 étages. Et là, vous allez voir qu'il y aura des prisons. Et à côté de ces prisons, il y aura des caisses. Donc il va falloir rentrer près des caisses, donc passer juste ici. Alors voilà, ça passe pas, on va essayer par la droite. Donc juste ici normalement ça passe, parfait. Et là vous avez un bouton d'XP dans le coin, parfait. Et vous interagissez avec et vous allez gagner de l'XP. Alors le prochain glitch, il faudra retourner à l'emplacement où on était. Alors quand vous êtes ici, vous allez devoir vous retourner et là vous allez voir qu'il y aura un igloo. Et là vous allez devoir tout simplement construire jusqu'à l'igloo. Ensuite vous passez dans la fenêtre qui est tout en haut à droite, vous passez dedans. Et là, vous allez voir qu'il y a un bloc en hauteur. Vous montez sur ce bloc et là, dans le coin, vous avez un bouton Secret Room XP. Vous interagissez avec, ça va vous donner encore de l'XP. Et là, vous retournez encore à l'emplacement où on était. Et cette fois-ci, je vais vous montrer des glitches que je vous ai déjà montrés dans une précédente vidéo. Et le premier glitch, il va falloir vous rentrer dans le bâtiment Slurp qui est juste là. Donc, vous montez dans ce bâtiment, vous rentrez dedans. Ensuite, vous descendez dans les cuisines et vous allez voir qu'au-dessus de la poubelle, il y a un bouton d'XP. Vous interagissez avec ce bouton, ça va vous donner de l'XP comme d'habitude. Et là, vous retournez encore à l'emplacement. Là, vous retournez sur le bateau et vous allez monter sur le piquet central. Donc, vous montez tout au-dessus. Et sur le piquet, vous allez voir qu'il y a un bouton Secret Room XP. Vous interagissez avec, ça va vous donner encore de l'XP. Et on va retourner encore une dernière fois à l'emplacement. Et là, vous allez construire vers la maison qui est en haut à gauche. Donc, c'est la maison qui se trouve juste en face du bâtiment de Slurp qui est juste là-bas. Vous construisez jusqu'ici et vous entrez dans le premier appartement, donc la première porte. Ensuite, vous allez monter au 2e étage dans la chambre. Et dans cette chambre, vous allez pouvoir accéder au toit. Donc, quand vous êtes dans le toit, vous accroupissez, vous allez jusqu'au bout et vous avez un bouton Secret Room XP. Et là, vous allez encore gagner de l'XP. Code créateur SC.